الكرامة التي تحدثنا عنها. Je trouve que la commission de l'instance de la vérité est dans le bon chemin au niveau de l'éclaircissement et que parce que l'éclaircissement, donc l'éducation est important pour respecter, faire avancer les droits des victimes et aussi pour vivre la démocratie dans la société. Si on ouvre les archives de la police secrète, le savoir de ceux qui sont intervenus dans la vie des citoyens, donc ce savoir ne sera plus exclusivement donné à la police. Donc le peuple, les citoyens, les victimes auront donc la possibilité d'avoir aussi ce savoir. Et on ne peut pas utiliser ce savoir uniquement pour la répression. Donc ce sera donné aussi, ça donne aussi la possibilité aux victimes en fait d'avoir ce savoir. Et les victimes ont droit à savoir cela. Nous avons en Allemagne fait l'expérience qu'il est important d'avoir une instance qui ouvre le chemin pour un éclaircissement à long terme. Et l'instance, c'est juste la première étape, elle va ouvrir le chemin pour après contribuer à un travail dans la société pour réconcilier la société et pour faire avancer les droits de l'homme. الهيئة لها قانون صادر في ديسمبر 2013 متعلق بالعدالة الانتقالية يمكن الهيئة من النفاذ إلى الوثائق بغض النظر عن القوانين السابقة عن التحجيرات المتمثلة في موجودة في قانون الأرشيف أو في القوانين الأخرى وبطبيعة الحال على هذا الأساس مؤسسة الأرشيف الوطني تطبق القانون وإذا كان فما وثائق موجودة بالأرشيف الوطني في الأرشيف النهائي لها علاقة بعمل الهيئة فهي تمكنها منها وكذلك أيضا حتى فيما يخص الوثائق الموجودة في بعض الوزارات هي تحاول أن تساعد الهيئة في الوصول إلى هذه الوثائق حتى تستكمل عملها وحتى تقوم بالدور الذي أوكلها لها قانون العدالة الانتقالية هذا هي يعني أهم ما يتعلق في العلاقة بين الأرشيف الوطني وهيئة الحقيقة والكرامة